Good morning, allez Yiden. L'étude sera aujourd'hui les Lonishmat Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Yisrael Ben Masimcha, Chaim Bar Esther Lachmi, Zara Batman Adam, Shishbortish, Giakov Ben Blanche, Rajaj, Chaim Elio Ben Shalom Luski. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra, Perek Vav, Mishnah Aleph. Habocher Perot Lachavero, Velot Simechou, Vavilo Zera Pishtan, Eino Chayav Ba'achar Yutan. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Zeron Egina She'ina Nechalin, Chayav Ba'achar Yutan. On traduit tout de suite. Celui qui vend des fruits à son ami. En réalité, on ne parle pas de fruits, mais on parle de récolte, de céréales, de graines, comme ça va être explicite dans la suite de la Mishnah. C'est fréquent dans le chasse qu'on utilise le mot perot, littéralement fruit, pour parler en réalité de graines, de céréales. Je ne sais pas pourquoi. D'accord ? En tout cas, celui qui vend des récoltes, des graines, à son ami, velotimchou, et l'acheteur plante les graines, et ces graines ne germent pas, ne produisent pas, ne poussent pas. Vafilozera pishtan, et même s'il s'agit de graines de lin, enochayav bacharyutan, le vendeur n'aura pas à couvrir la perte de l'acheteur. Soit, vous venez chez moi, vous m'achetez 5 kilos de graines, ça peut être des graines de blé, ça peut être des graines d'orge, et ça peut même être aussi du lin, et je vous les donne, et puis vous revenez après quelques mois même, vous me dites, écoute, toutes tes graines, je les ai plantées, elles n'ont pas germé, donc c'était des graines défectueuses, vous me demandez, maintenant vous réclamez que je vous rende l'argent, qu'on annule la vente, même si vous ne pouvez pas vendre les graines, malgré tout, vous êtes peut-être en droit de m'annuler la vente, il y aurait une certaine logique, et la Mishnah nous enseigne malgré tout que je n'ai pas à couvrir la perte. Pour quelle raison? Alors là, on va expliquer ça de manière simple et de manière un peu plus approfondie. De manière simple tout d'abord, parce qu'en réalité, je peux prétendre que je vous ai vendu ces graines parce que je pensais que vous allez les consommer. Vous avez acheté du blé pour manger du blé. Et même si c'était des graines de lin, avec des graines de lin, on peut en faire de l'huile, on peut les consommer telles quelles. Il y a plein de choses à faire avec des graines de lin, ça peut se consommer. Donc, en réalité, on va tout de suite faire même la suite de la Mishnah, comme ça vous allez mieux comprendre. Au lieu de faire de la déduction, on va directement rapporter la suite de la Mishnah qui le dit explicitement. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, selon Rabban Shimon ben Gamliel dit, s'il s'agit de graines de potager, je sais pas, des zeroneguina, des graines que l'on plante dans un potager, chez Einanechalim, qui ne sont pas consommables, des graines de roses, des graines de toutes sortes de fleurs, qui ne vont pas produire quelque chose que l'on doit manger, Chayav Bahariutan, dans ce cas-là, je devrais couvrir la perte. On expliquera ensuite qu'il n'y a aucune discussion entre le premier avis et le deuxième avis, qu'ils sont uniquement complémentaires, c'est le même avis, on expliquera ensuite. Pour le moment, mon but, c'est d'expliquer ça. Il s'avère donc que lorsque vous achetez des graines qui sont encore consommables, même difficilement, telles que les graines de lin, c'est ça l'insistance de la Mishnah, alors malgré tout, vous revenez vous plaindre ensuite, vous dites, finalement, au lieu de les manger, vous, votre intention, lorsque vous les avez achetées, c'était de les planter, et puis finalement, elles n'ont rien fourni, vous demandez remboursement de la vente. Alors moi, je vais vous dire non, puisqu'il s'agit de graines qui peuvent quand même être mangées, consommer, je vais vous dire, écoutez, moi, je vous les ai vendus, je pensais pas que vous allez les planter, moi je les ai vendus avec intention que vous allez les consommer. Qui a dit que, c'est-à-dire comment dans la vente que j'ai effectuée, c'était inclus que je vous les vendais pour que vous les plantiez, pour que vous venez réclamer quelque chose. Ouais, si vous venez acheter, je sais pas moi, un stylo, et puis vous me dites, vous avez voulu clouer un clou dans le mur et puis c'est cassé. Vous n'allez pas venir me dire « Ah, mais ton stylo, il pouvait pas... » La fonction d'un stylo, c'est d'écrire, c'est pas de clouer un clou, un clou. Selon le même principe, je vous ai vendu des graines. Les graines, c'est censé éventuellement être consommées. Vous venez me dire « Ouais, mais j'ai préféré les planter. Ben, » c'est votre problème à vous. Il fallait les manger, vous aurez vu qu'elles étaient très bonnes. D'accord ? Par contre, si vous achetez des graines qui ne peuvent pas être consommées, il n'y a rien à faire si ce n'est que de les planter pour en faire des fleurs, pour en faire toutes sortes de choses, même... Du coton, je pense que ça se mange pas, je crois pas que ça existe de faire de l'huile de coton, je sais pas. Supposons que non, en tout cas, et ben dans ce cas-là, vous serez en droit d'annuler la vente, parce que pourquoi vous m'avez acheté les graines? Forcément pour les planter, vous êtes un agriculteur. Même si c'était une petite quantité ou une grande quantité, ça changerait un problème.
je n'aurai plus rien à rétorquer. Donc, on pourra annuler la vente cette fois-ci. Je devrais vous le rembourser, même si vous pouvez m'emmener les graines. Vous n'allez qu'à me dire, va les ramasser. Tu pousses la terre et tu trouves là-bas où il y a des petites graines, tu les récupères si ça t'intéresse. En tout cas, vous, de votre point de vue, si c'était des graines donc, qui ne pouvaient que être plantées, elles n'ont pas accompli leur fonction, vous annulez la vente. Ça, c'était la Mishnah de manière expliquée, de manière simple. Une précision tout de suite encore, c'est qu'en réalité, vous avez remarqué, j'ai pas pu expliquer la Mishnah sans lire toute la Mishnah et dire que c'était le même avis. C'est dans le premier avis, la Mishnah elle présente qu'il y a deux avis. La Gemara elle explique qu'en réalité, il n'y a pas deux avis. C'est qu'il faut lire la Mishnah comme ça. Celui qui vend des graines consommables à son ami, et qu'il les plante et qu'elles n'ont rien fourni, et même si c'est des graines de lin, il ne devra pas annuler la vente. Donc, si par contre c'était des graines que l'on ne pouvait pas planter, alors qu'on ne pouvait pas consommer comme des graines qu'on ne fait que de planter, il faudra rembourser chez Rabban Shimon ben Gamliel Omer, comme ce que nous enseigne Rabban Shimon ben Gamliel, que des erronés, guina, des graines de potager, chez Nan Nechalin, qui ne sont pas consommables, Chayev Barhutan, il faudra couvrir leur... Chayev Barhutan, il devra les garantir. Ouais, la garantie, Afrayut en hébreu, il devra donc couvrir la perte. Voilà pour l'explication de la Mishnah au sens simple, tout est clair. Une petite précision quand même. Stam, ça vaut le coup. C'est une notion qu'on a déjà évoquée. En olchin bemamon achar arov. Là, l'insistance sur afilo zero nepishtan, même si c'est des graines de lin, on ne devra pas couvrir les frais, rembourser annuler la vente et rembourser les frais. Même si c'est des graines de lin, quel est l'intérêt d'insister? Quelle est l'insistance de même si c'est des graines de lin? La Gemara explique que même si en réalité la majeure partie des acheteurs qui viennent acheter du lin, les transactions de lin, elles sont faites en général pour ceux qui vont les planter. Seul un petit pourcentage de gens qui viennent acheter du lin achètent des graines pour les consommer. Tandis que le rov, la majorité des gens, c'est pour les planter. Dans ce cas-là, on a une grande règle. Dans la Torah, normalement, on va selon la majorité. Vous habitez dans une ville où la majorité des gens qui y habitent, il y a plusieurs manières de formuler, mais en tout cas, on va prendre un exemple un peu, sans rentrer dans les détails, où il y a la majorité des gens, c'est des juifs, qui ont de la viande cachère, et il n'y a que la minorité uniquement de vente de viande pas cachère. Vous trouvez un bout de viande dans la rue, vous avez le droit, selon la halakha. C'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, vous avez le droit de l'utiliser. On a déjà évoqué cette règle plusieurs fois. Selon la au moins de la Torah, on a le droit de prendre cette viande et de la manger. D'accord? Il y a d'autres problèmes techniques de Bassar Shin Talaminaïn, on ne va pas extrapoler. Mais en tout cas, de manière générale, on définit les choses selon l'Europe. Si la majorité, c'est des juifs, alors on va dire que c'est de la viande de juifs. On va dans la Torah selon l'Europe. On établit plein de choses selon la majorité. Alors pourquoi là, on a une question pertinente? Puisque la majorité des gens qui achètent des graines de lin, c'est pour les planter. Lorsque vous venez acheter des graines de lin, j'aurais dû peut-être me dire, mais non, peut-être que vous appartenez à la majorité. Je dois préciser que, attention, moi je vends des graines uniquement pour consommer, pas pour planter, parce que mes graines, elles sont mauvaises si on les plante. Alors pourquoi on n'irait pas selon la majorité? La réponse, elle est que, en olchin bemamon acharav, dans les lois des différents d'argent, on ne va pas selon la majorité ne fixe pas. C'est lié, ça découle en réalité d'une autre règle que vous vous rappelez sûrement parfaitement de Baba Kama Baba Metsiya, qui est « Zekla al-Gadol Bedin amotzi mechavero ala baraya » une règle qu'on a rapportée peut-être 40 fois déjà depuis qu'on a commencé ces derniers zikin depuis Baba Kama. « Zekla al-Gadol Bedin amotzi mechavero ala baraya » voici la grande règle de la halakha « amotzi mechavero ala baraya » lorsque j'ai de l'argent, en prétendant qu'il est peut-être à moi, qui est dans ma main, vous venez pour me le faire sortir, votre seule possibilité de me le sortir, c'est une preuve. Une preuve, c'est du 100%, c'est pas de la spéculation à 80%, à 90%, selon de la majorité, de la statistique, ça ne suffit pas. Il faut des témoins, il faut un shtar, un contrat, une preuve, du sûr, du 100%, des témoins. Tant que c'est de la spéculation, même très probable, de la probabilité, ça ne suffit pas. Selon ce principe, de là découle la grande règle que la deuxième règle qu'on a évoquée, que en olchin bemamon acharav, on ne va pas dans les différents d'argent selon la majorité, définir les choses selon la majorité, étant donné que moi je pourrais toujours prétendre, moi pour moi, j'appartiens à la minorité, que pour moi les graines de lin ça sert essentiellement à manger. Et voilà, on a expliqué toute la Mishnah, il y a bien sûr de quoi beaucoup approfondir, mais on a déjà fait quelque chose de pas mal. On fait maintenant le Bartanura. Amocher perot, celui qui vend des récoltes. Stam. Sans rien préciser, Stam, c'est qu'il a sans aucune précision davantage. Velo pirech la achila ou lezria. Et lorsqu'il est venu acheter, il n'a pas précisé
Est-ce qu'il achetait la achila pour les consommer ou les zriya pour les planter? Afilu zera pishtan. Même s'il s'agit de zera pishtan, des graines de lin, des rubakonim oto les zriya, que la majorité des acheteurs achètent les graines de lin pour le semer. Matsi le meimarle, il pourra malgré tout le vendeur répondre, rétorquer. Ani la chila mechartiv, moi je l'ai vendu pour être consommé. De en olchin bemamon acharov, parce qu'on ne va pas dans les différents d'argent selon la loi de la majorité. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, vechule. Rabban Tanoura va nous expliquer, le but c'est de nous expliquer la transition. Comment est-ce qu'on passe de Tanakama à la suite? Ça a l'air d'être la même chose. Et c'est ce qu'il nous rapporte tout de suite. Bagmara moke kola matnitin aliba de Rabban Shimon ben Gamliel. Dans la Gemara, on explique que toute la Mishnah va uniquement selon Rabban Shimon ben Gamliel. Vechisure mirsera vechiktane. Et il manque une phrase de transition dans la Mishnah, et qu'il faut dire en fait comme ça. Depuis le moment où on a lu que Enochayav bachariotan, alors il nous refait toute la lecture. Afilo zera pishtan enochayav bachariotan. Même si c'est de graines de lin, elle ne devra pas garantir la vente, c'est-à-dire annuler la vente. Ah, zero negina. Par contre, s'il s'agit de zero negina, de graines de. Juste à planter de potager pour en faire des. D'accord ? Chez Enane Khalin qui ne sont pas consommables, Chayav Bachariotan, il devra assurer les garantir. Divrei Rabban Shimon ben Gamliel, ce sont les paroles de Rabban Shimon ben Gamliel. Chez Rabban Shimon ben Gamliel Omer, car on sait très bien que Rabban Shimon ben Gamliel pense que Zeroone Gina Chez Enane Khalin Chayav Bachariotan. D'accord ? Le but de Bartonor, c'était juste de rajouter cette petite phrase de transition. La déduction de la Reisha, pour ensuite enchaîner en nous disant « Car Rabban Shimon Gamliel nous enseigne cette grande règle. »« De ave mekartaout, de vadaï les zriyaz avninu » Par contre, donc, si c'est des graines de uniquement pour faire un beau jardin, des belles fleurs, ça devient un mekartaout, une vente erronée. « De vadaï les zriyaz avninu » Car il est certain que dans ce cas-là, lorsqu'il achetait les graines, c'était pour aller les planter. Et puisqu'elles n'ont pas produit, donc les graines étaient défectueuses, il demande réclamation et annulation. Il y a aussi un petit chidouche que le Tosfot Yom Tov insiste, on pourra annuler la vente même si concrètement je ne peux pas rapporter l'objet acheté. D'accord? C'est clair? Il y a de quoi rallonger, mais je pense que regardez le Tosfot Yom Tov si ça vous intéresse. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.